Mas eu queria apresentar então o professor Bianamê para vocês. Ele fala muito sobre desenvolvimento econômico, sobre educação, e hoje ele vai falar sobre what you are going to talk about? Growth? Crescimento e a saída da pobreza. Então esse é o tema que ele vai mostrar para nós e discutir conosco. A palestra dele vai ficar, vai ser distribuída, vai ficar na internet, mas eu acho que está em francês. É capaz de ter um resuminho em português, mas é só resuminho mesmo. Mas quem tiver muito interesse, acha alguém de francês para ler, né? Alain, aqui está você com a palavra. Boa noite. I'm very glad to be in this city and to meet with you and to talk a little bit about economics. But I will talk in French because my English is, as I call that, rusty. À quoi s'intéressent les économistes? À un phénomène qui concerne toute l'humanité à des degrés divers et qui est que nos besoins sont infinis alors que les ressources nécessaires pour les satisfaire sont limitées. L'économie s'occupe de la rareté. Le concept, la notion centrale de l'économie, c'est la rareté. Et elle nous impose à faire des choix. Dans un instant, je vous dirai un peu plus sur cette notion de choix. Le message d'origine de la science économique qui a commencé à se former à la fin du XVIIIe siècle, c'est un message de paix. Il consiste à dire aux gouvernants de l'époque, il est d'autres manières de s'enrichir que de faire la guerre aux autres, que de conquérir des territoires, que de voler, de piller, de brigander, de faire du brigandage. Il est possible de s'enrichir, il est possible d'obtenir de plus grandes satisfactions en matière de consommation grâce notamment à la liberté des échanges. Liberté des échanges du blé, en particulier des céréales qui, au XVIIIe siècle, étaient la matière, le produit le plus important. 80% de la production annuelle, c'était la production de céréales pour survivre. Alors, le message de l'économiste, je le dis bien, c'est donc que l'on peut s'enrichir par des moyens pacifiques. Lesquels? Alors, il y a une première ligne de pensée qui a été d'enseigner aux agents économiques, aux décideurs, que sont les entreprises, que sont les particuliers, que vous êtes, à éliminer les gaspillages. Éliminer les gaspillages. Rechercher des solutions à des problèmes qui économisent le plus possible les ressources. La deuxième réponse qui a été apportée, alors dans les faits, c'est la production. La production d'abord agricole de plus en plus importante, industrielle, les services, et bien sûr la croissance. Quand on parle de croissance, croissance de quoi? Croissance de la production. Mais, heureusement ou malheureusement, l'économie est aussi une affaire de rapports humains. Et les rapports humains ne sont pas, disons, tranquilles. Il y a des luttes pour l'appropriation des terres, il y a des combats qui résultent du fait que dans à peu près toutes les sociétés, une certaine séparation, un certain fossé sépare les riches et les moins riches, les riches et les pauvres. Bref, nous travaillons, nous les économistes, aussi sur le problème des inégalités dans la distribution des ressources ou des richesses. Et nous recherchons, c'est notre rôle, bien que nous ne soyons pas toujours couronnés par le succès, les moyens d'améliorer la gouvernance des entreprises et la gouvernance des États, des administrations, pour éliminer le gaspillage et stimuler la production et promouvoir la croissance.
Comment mesure-t-on les résultats de ces efforts? Vous le savez, on le mesure en calculant ce que l'on appelle le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est tout simplement l'ensemble, la valeur qui est accordée, je vais dire un instant un mot sur la valeur, c'est la valeur de l'ensemble des biens et des services qui sont produits chaque année par la collectivité nationale, intérieure à la nation. Je voudrais dire ici, j'ai employé le mot de valeur, vous savez que les astronomes utilisent comme grande dimension dans leurs travaux les années de lumière, que les physiciens utilisent un ensemble de paramètres comme les kilos, pour prendre les plus simples, comme les longueurs d'onde, et ainsi de suite. Les économistes travaillent sur la notion de valeur. En effet, ce n'est pas parce qu'une économie arrive à produire un nombre phénoménal de tonnes de charbon, de quintaux de blé, que pour autant elle sera performante si la collectivité n'apprécie pas à sa juste valeur ses productions physiques. Et par conséquent, le produit intérieur brut, c'est la multiplication des quantités produites chaque année de biens et de services par leur prix respectif. Et la valeur du produit intérieur brut est la valeur le paramètre de référence central qui synthétise le résultat de l'activité d'innombrables, de millions de personnes actives qui ont été et ont eu la chance d'ailleurs d'avoir un emploi. Et une définition un petit peu plus fine du produit intérieur brut, c'est tout simplement la somme des valeurs qui ont été ajoutées, des valeurs qui ont été ajoutées par les travailleurs et les détenteurs de capitaux pour obtenir la production. Et ces adjonctions, cette addition de valeurs, par rapport à quoi? À la valeur des ressources naturelles qui sont nécessaires pour fabriquer les produits, pour fabriquer des voitures, produire du blé, du maïs, etc. Je vous ai dit au début que l'humanité était confrontée à la rareté dans des conditions très différentes d'un pays à l'autre. Même les pays riches ont des problèmes posés par la rareté et par les besoins qu'ils peuvent exprimer. La rareté impose des choix. La science économique, c'est aussi une science qui s'intéresse au processus de décision et aux options. Et quand nous avons affaire à ce qui est une réalité quotidienne, à un budget limité, un revenu qui est limité, une ressource qui est limitée en quantité, eh bien, choisir par exemple l'action A va vous obliger à renoncer, à sacrifier l'action B. Tout dépend bien sûr du prix. Pour donner un exemple, si vous décidez d'affecter votre budget de consommateur à l'acquisition de produits alimentaires, c'est autant de moins que vous pourrez consacrer à l'acquisition de vêtements ou au cinéma. Et donc, il faut que nous les expliquions, les économistes expliquent de quelle manière se procèdent ces choix. La règle générale est la suivante, elle est simple à comprendre. Dans les détails, évidemment, on rentre dans la technique et je n'y entrerai pas. Mais l'idée est la suivante. Les économistes s'efforcent de montrer comment les agents économiques augmentent, maximisent les satisfactions qu'ils peuvent retirer de leurs actions par rapport aux sacrifices que cela entraîne. Je décide de travailler, par exemple, dans une entreprise qui m'offre la possibilité d'avoir des heures supplémentaires. Je décide de travailler pendant des heures supplémentaires. Il faut que je sois récompensé parce que je sacrifie du loisir. J'éprouve des sacrifices, un sacrifice quand je décide de travailler
en heures supplémentaires. Et alors, ceci m'amène à aborder devant vous le thème de la croissance. Bon, nous savons que la croissance se définit comme étant l'augmentation de la valeur de la production intérieure brute que l'on constate d'une année sur l'autre. C'est l'objet central des statistiques macroéconomiques qui concernent l'ensemble de la société. Pour être schématique et me faire clairement comprendre, supposons que la collectivité dans son ensemble finalement choisit, quand la production qui est obtenue au cours de l'année présente est égale à 100, choisit en fin de compte de consommer toute cette production. P égale 100, C égale 100. Alors dans ce cas-là, il n'y a aucun espoir que si ce comportement se répète d'année en année, la société en question, la nation en question, bénéficie de la croissance économique. Pour obtenir des résultats en matière de croissance, il faut consentir des sacrifices en matière de consommation dans l'immédiat. Et je prends donc un autre cas, beaucoup plus proche de la réalité qui est vécue par la population. Le produit est de 100 et par toute une série de mécanismes de décision dans le détail desquels je ne rentrerai pas, seulement 80 se trouvent consommés. Alors les 20 restants, à quoi servent-ils? Eh bien, ils sont épargnés dans un premier temps par les ménages, les particuliers, sur leurs revenus, par les entreprises. Et cette épargne va servir à quoi? Ben, pour les particuliers, elle va servir à faire face à des dépenses imprévues. Elle va servir à faire à financer les investissements, c'est-à-dire l'ensemble des décisions et des actions tendant à développer les moyens matériels de la production, bâtiments des usines, bureaux, ateliers, machines, et également à développer tout ce qui sert au développement des connaissances, à l'accroissement des connaissances. Alors, bien entendu, la plupart des gens qui sont donc, par différents mécanismes, conduits à ne pas consommer tout ce qu'ils ont produit, ils ont sacrifié quelque chose, leur droit à consommer aujourd'hui ce qu'ils ont produit. Et donc, ils attendent, en quelque sorte. Et cette attente mérite une rémunération, c'est le taux d'intérêt, c'est l'intérêt du capital qu'ils prêtent. Mais tout ceci permet à l'économie de développer ses moyens de production et grâce aux investissements, je le répète, en capital matériel et en capital, disons, intellectuel, à travers l'éducation supérieure et à travers la recherche scientifique et technologique. C'est ce qui permet dans le temps, de produire plus avec la même quantité de travail et de capital. Autrement dit, grâce aux investissements, la productivité du capital et du travail augmente, et ça, c'est à la base de la croissance. Je vous parle de manière un peu abstraite de ce phénomène. L'humanité... Quelle a été l'histoire de la croissance au cours de l'évolution de l'humanité? Aussi loin que remontent les travaux des historiens et statisticiens, c'est-à-dire environ moins 11 000 ans avant Jésus-Christ, de moins 11 000 ans jusqu'à l'an 1000 après Jésus-Christ, Moyen-Âge, on peut dire que la production mondiale a évolué, augmenté au même rythme que la population mondiale. Donc, de ce point de vue, pas de progrès. La production par tête d'habitants sur la planète a stagné. Et puis, à partir de l'an 1000
jusque vers 1800-1820, eh bien, on observe une augmentation, en moyenne générale, on observe une timide augmentation du produit par tête de quelque chose comme 0,1% par an en moyenne à l'échelle de l'ensemble du monde. C'est l'époque où la Chine se laisse, qui représentait la moitié de la production mondiale, se laisse distancer, et nous arrivons alors à l'époque de la première révolution industrielle. Et à l'époque, la France était le Brésil, l'Angleterre était le Brésil de l'époque, les économies émergentes, les deux premières, se mettent en branle, et nous connaissons, nous avons connu donc une période, première démarrage, un premier décollage de la croissance entre 1820 et 1860. Le 19e siècle est un siècle de paix relative, une fois que Napoléon a disparu. On passe donc de la conception militaire de la conquête de territoire à la conception de l'enrichissement par la croissance, par l'industrialisation. Alors entre 1860 et 1914, là se produit une deuxième accélération. C'est la deuxième révolution industrielle, celle qui a vu l'acier, l'électricité, le pétrole, l'industrie chimique, que sais-je encore, l'urbanisation et la voirie urbaine se développer. C'est une période au cours de laquelle non seulement la France et l'Angleterre continuent honorablement sur leur lancée, mais apparaissent de nouvelles nations émergentes, en particulier les États-Unis, l'Allemagne. La Première Guerre mondiale inaugure une période qui s'achève seulement en 1945. On observe un tassement de la croissance, la production mondiale est par tête, j'entends bien par tête d'habitants, la production mondiale par tête continue de croître en moyenne, mais à un rythme ralenti à cause de la grande crise et à cause des deux guerres. 1945, fin de la Deuxième Guerre mondiale, reconstruction, à partir de 1950, une période faste pour l'Europe, et une accélération, une troisième accélération de la croissance mondiale se produit. Elle est tempérée par les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979, mais alors se produit un phénomène qui est imprévu des futurologues, effondrement de l'Empire soviétique en 1989. Éclatement de l'Empire soviétique, et à partir de là, on voit éclater le tiers-monde, on voit se multiplier le nombre et l'importance des économies émergentes, avec la Chine en tout premier, l'Inde, le Japon était une économie sous-développée en 1955, le Japon est une économie émergente entre 55 et 75, la Chine limite, l'Inde se dit, mais si la Chine décolle, pourquoi pas nous ? Ils en font autant. Les quatre dragons, l'Indonésie, la Thaïlande. Bref, il n'y a pas que le Brésil sur Terre, c'est sûr. Tout ceci se développe avec une énième accélération de la croissance mondiale au cours des années 2000 à 2007, où là, on atteint des taux inédits, des taux jamais connus, de la croissance du produit mondial par tête, alors que la population mondiale continue à augmenter, mais à un rythme ralenti, qui va stopper en 2050, si on croit les démographes. Cette croissance, elle est menacée dans les faits aujourd'hui, et depuis 2007-2008. Et elle est contestée dans son principe par toute une école de pensée où l'on voit une grande proportion, pas tous, mais une grande proportion d'économistes et de sociologues et de philosophes qui souhaiteraient que l'on ménage plus les ressources de la nature et que l'on se préoccupe contre un phénomène qui commence à être à avoir de gros inconvénients, le phénomène du réchauffement climatique.
Alors, je reprends ces deux points brièvement. Pourquoi est-ce que la croissance économique, dans le style business as usual, sans trop de soucis pour l'écologie, pourquoi cette croissance économique que l'on a connue dans les pays du Nord, mais aussi dans les économies émergentes, le Brésil, la Turquie, le Mexique, la Colombie, le Chili, avec les pays asiatiques y contribuent, pourquoi cette croissance est menacée dans les faits? Parce que, pour différentes raisons sur lesquelles je suis prêt à revenir dans les questions, mais on ne peut pas tout dire maintenant, la croissance des pays du Nord a été financée de manière extrêmement malsaine par l'endettement. C'est-à-dire qu'en gros, ces nations ont fui en partie le financement par des actions qui comportent des risques et préféré financer la croissance par des emprunts qui rapportent un taux d'intérêt fixe et qui sont remboursés en priorité. Donc c'est un peu la fuite à l'égard du risque qui a entraîné les États-Unis et à leur suite l'Angleterre, mais aussi les pays européens, dans une croissance qui s'est traduite par une accumulation de dettes privées, de dettes bancaires. Et lorsque la crise s'est déclarée avec l'effondrement de Lehman Brothers en 2008, les États sont venus au secours du système bancaire pour éviter son effondrement, ce qui aurait été absolument catastrophique. Mais les États n'ont pas pu le faire sans eux-mêmes être obligés de s'endetter. Et l'endettement donc des États du pays du Nord est aujourd'hui très préoccupant. Il dépasse, il avoisine pour certains pays 100% du PIB, et dans certains cas, il dépasse de beaucoup. Au Japon, mais c'est un pays qui épargne beaucoup, il dépasse de beaucoup ses 100%. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pour rembourser cette dette, une partie de la dette chaque année, et pour payer les intérêts qui sont dus au marché et aux prêteurs, il faut dégager des ressources qui sont soustraites à ce que l'on pourrait faire pour investir dans la connaissance et dans les équipements matériels. Donc c'est ça qui mine la croissance des pays du Nord aujourd'hui. On a aussi observé ceci, c'est que pendant un certain temps, le ralentissement de la croissance dans les pays du Nord n'a pas touché les économies émergentes. Je ne pense pas que le Brésil était, ou en tout cas la Chine, a été modérément affecté, l'Inde également, modérément affecté par le ralentissement de la croissance des pays du Nord. Mais les choses sont en train de changer peu à peu, car les pays du Sud ont besoin du débouché pour leurs produits, du débouché d'exportation dans les pays du Nord. Nous sommes aujourd'hui mutuellement et de plus en plus interdépendants. La contestation, je vais en dire un mot, menée par par prise de position des partis écologiques, souvent prennent appui sur les conclusions ou les résultats de travaux scientifiques, dont certains sont extrêmement sérieux, mais dont certains aussi sont controversés sur l'accumulation du CO2, du gaz à effet de serre dans l'atmosphère, sur les conséquences que ça peut avoir sur le réchauffement climatique, sur les conséquences du réchauffement climatique sur les sécheresses et sur les inondations dans certaines parties du monde. Là-dessus, il y a beaucoup de controverses, mais l'inquiétude monte. Et il faut dire aussi que beaucoup de ressources naturelles non renouvelables à échelle humaine sont menacées de disparition. L'air, l'eau, les espèces mises en danger, la surexploitation des poissons, par exemple, tout ceci incite effectivement à réfléchir beaucoup plus profondément aux orientations que les États, en particulier, doivent donner au processus de croissance de leurs nations respectives. Alors, ceci dit, il faut, c'est mon avis personnel, s'opposer
complètement aux partisans, à ceux des écologistes qui se proclament partisans de la croissance zéro, stagnation, ou pire encore, de la décroissance. D'abord parce que l'avenir de la croissance paraît en grande partie déterminé par la manière dont l'humanité se saisira du problème de la transition énergétique. Et là, beaucoup de progrès scientifiques et techniques sont nécessaires pour pouvoir progresser rapidement dans les économies d'énergie et dans le développement de ressources d'énergie renouvelable à des prix compétitifs, à des coûts supportables. Aujourd'hui, encore, le développement des éoliennes ou le développement des cellules photovoltaïques s'avère extrêmement coûteux pour les États et pour les subventions que cela nécessite. Une autre direction également mérite d'être exploitée systématiquement, c'est celle du recyclage des déchets. La révision dans la conception des méthodes de conception des produits, faire des produits plus durables, moins jetables, pour éviter et éliminer les gaspillages, et ainsi de suite. Enfin, je n'entrerai pas dans les détails. Et tout ceci va évidemment développer des opportunités nouvelles en matière d'emploi et en matière de croissance économique. Alors, une des raisons pour lesquelles il faut s'opposer à l'idée que l'idéal serait de retourner à la stagnation ou de préconiser la décroissance, c'est parce que la croissance ouvre les portes de l'avenir aux populations. Elle ouvre des nouvelles perspectives d'avenir et elle correspond à une aspiration profonde des peuples. Ceci est confirmé par d'innombrables enquêtes d'opinion menées sur le plan international. L'ascension des classes moyennes, que l'on observe en Inde, en Chine, au Brésil, en Afrique, dans certains pays africains, montre à quel point, quand on regarde l'évolution des consommations, les populations concernées, effectivement, aspirent à améliorer leurs conditions de vie. Et ceci mérite respect. Il y a un respect de la nature, mais aussi un respect vis-à-vis de l'être humain qu'il faut avoir en tête. Mais ce que je veux dire, c'est deux choses pour terminer. La première, c'est que le décollage d'une économie émergente s'accompagne, l'observation historique le montre, dans la plupart du temps, d'un creusement des inégalités sociales à l'intérieur des pays concernés. Certes, avec l'accélération de la croissance, on a vu la pauvreté en nombre absolu, le nombre des personnes pauvres diminuer, mais à l'intérieur de la plupart des pays concernés, on voit se creuser un écart assez important entre le revenu, les niveaux de vie de la partie la plus dynamique de la population par rapport au secteur, disons, agricole traditionnel, artisanal, et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que le décollage est un phénomène historique qui prend du temps. Et c'est pas de la seconde, c'est pas du mois, on ne raisonne pas sur l'année, on raisonne sur une génération ou deux. Et pour qu'un pays comme la Chine, parce qu'elle a atteint ce taux de croissance du PIB de 10% par an pendant 20 ans, 25 ans, pour qu'un pays comme cela atteigne un taux de croissance aussi élevé, si seulement la moitié de la population participe à cet effort, eh bien ça veut dire que cette moitié doit croître de 20%. Et à l'intérieur de cette moitié, il y a des entreprises qui croissent de 40% par an, tout ça par an. Donc ça exige des efforts considérables en matière d'éducation, de construction de routes et d'infrastructures portuaires et ainsi de suite. Et ce n'est qu'au bout d'un certain temps, 25-30 ans, que l'on voit peu à peu se diffuser, ascension des classes moyennes. Donc on voit
déjà les bienfaits se diffuser, se propager à une proportion croissante de la population, et on voit les inégalités se réduire en matière relative, disons. Ça, c'est la première des deux choses que je voulais vous dire. Je continue. Donc, dans cette période au cours de laquelle se creusent les inégalités, les États des nations concernées sont placés devant de nouvelles responsabilités en matière sociale, en matière d'équilibre politique, en matière de cohésion de la nation. Et c'est tout le sens, c'est ce que j'ai cru comprendre, du programme de la Bolsa Familia du Brésil. Ça a été donc pour les gouvernants de votre pays de se préoccuper, se féliciter de l'émergence, mais de se préoccuper du sort de ceux qui restent en retard momentanément, on le souhaite, enfin pendant quelques années. Et l'Inde également développe des programmes de protection sociale. La Chine commence à s'en préoccuper également, à se préoccuper du sort, en particulier des régions de l'Ouest qui sont à l'écart de l'énorme développement de la côte pacifique. La deuxième et dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que pour passer d'un stade de pauvreté à un stade où les conditions de vie commencent à s'améliorer, et là, c'est ma petite expérience de certains pays africains qui me dictent ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut que la population, en particulier les jeunes générations, passe de ce que j'appelle la logique de marché, la logique de l'échange, ou du troc, à la logique de la production et de l'entrepreneuriat, de l'entreprise. Or, ceci est un bouleversement dans les habitudes, dans les coutumes, dans l'état d'esprit, parce que le rapport au temps que l'on voit sur les marchés n'est pas du tout le même que le rapport au temps dans la production. On peut assez facilement décider d'acheter, de vendre au meilleur prix dans la journée, on peut profiter d'occasions. On n'est pas lié par des contraintes techniques formidables. Bon. En revanche, fabriquer ce que l'on va vendre nécessite des qualités qui sont, je ne sais pas si elles sont enseignées dans les écoles, mais des qualités qui sont indispensables. Parce que produire des vêtements, produire des... élever des bâtiments, et ainsi de suite, nécessite que l'on tienne compte du temps nécessaire, du délai qui s'écoule entre le moment où on engage des ressources de production et le moment où on voit les résultats apparaître sous la forme d'un produit concret, sous la forme d'un service élaboré, et puis le temps où on pourra le vendre, on trouvera un marché et les clients. Donc ça, c'est un temps qui se mesure en mois, en années, et ceci est tout à fait essentiel. Par conséquent, ceci veut dire qu'il va falloir, pour sortir de la logique du marché et entrer dans la logique de la production, il faut avoir le goût du risque, d'une certaine manière. J'entreprends quelque chose aujourd'hui. Si je n'entreprends pas, je n'aurai pas de résultat, mais si j'entreprends, j'ai quand même une chance de réussir. Alors là, il faut évidemment avoir des compétences pour cela, des compétences techniques. C'est un premier point. Et par conséquent, il faut avoir un certain sens de l'anticipation de l'avenir. La croissance, ça veut dire quoi? Demain sera différent d'aujourd'hui. Donc, quand je participe à la croissance, je participe à un avenir différent d'aujourd'hui. Donc, sens de l'anticipation, goût du risque, et dans la plupart des cas, capacité de collaborer et en équipe et de mener des équipes. Donc ce sont des qualités qui, au-delà des connaissances purement techniques, savoir lire, écrire, compter, mais au-delà, bien entendu, savoir peindre, savoir poser des dalles, savoir construire un bâtiment, concevoir un immeuble, tout ceci
nécessite des connaissances, mais aussi des traits de caractère que je crois qui sont, me paraissent indispensables. Et c'est comme ça que les gens sortent de la pauvreté par multiplication d'entreprises. Alors, pas mal d'entreprises échouent, mais beaucoup aussi réussissent et grandissent. Et c'est ceci qui permet à un pays de se sortir, d'améliorer ses conditions de vie. Voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction à des questions. No? Yes? Yeah. Okay. Sou muito obrigada pelas suas palavras, brilhantes, como sempre. Eu entendi, acho que 80%, prestei uma atenção violenta, mas acho que uns 20% daí eu não entendi. Eu espero que com as perguntas que surjam eu consiga entender melhor. Mas é muito interessante ver como é que ele vê o mundo, né? O crescimento e o que faz os países, os diferentes países saírem da pobreza. Eu vou passar a palavra e a coordenação para o professor Heitor Gugulino, que está aqui conosco, não é a primeira vez que ele vem neste campus. Professor Heitor Gugulino foi o criador da Universidade, o fundador da Universidade Federal de São Carlos. Ele tem uma experiência no exterior muito grande, foi da OEA e fez cursos no exterior. Ele também foi secretário da Secretaria de Educação Superior, foi vice-presidente mais recentemente do Clube de Roma e também é hoje o presidente do capítulo brasileiro do Clube de Roma. E além disso, ele trabalhou foi secretário-geral da Associação Internacional de Presidentes de Universidades e agora e tem uma outra associação que ele vai em Genebra daqui a uns dias, que eu esqueci o nome, mas ele, se vocês quiserem saber, é só perguntar. Ele estava me falando ontem sobre isso. E é um homem internacional. É um homem que não é só brasileiro. Ele é uma pessoa do mundo. É um cidadão do mundo. Então, professor Gugulino, por favor, coordena as perguntas. Bom, muito boa noite para todos. Muito obrigado, professora Eda, por essa oportunidade de estar de volta aqui ao IESB da Ceilândia, e nós viemos aqui para aprender algo do professor Alain Bien-Aimé. Ele também é um conhecedor profundo da educação, porque nós fomos companheiros juntos com a professora Eda numa comissão internacional de desenvolvimento da educação. Mas, de qualquer maneira, agora vocês é que têm a palavra. Por favor, peço a palavra, alguma mão aí fazendo pergunta. Se não entendeu, pode perguntar também. Boa noite. A minha pergunta é em relação a essas correntes de pensamento que você falou, que apoiam essa economia estabilizada, sem crescimento. Eu gostaria que você explicasse melhor por que eles pensam assim. Tem vontade? Maître, bonsoir. Bienvenue à IES. A minha palavra e a minha pergunta ao senhor diz respeito à autonomia dos estados, particularmente sobre a soberania dos países que formam o grupo da comunidade europeia. As medidas tomadas para controlar esse ataque à economia dos países formadores da comunidade europeia, até que ponto atingiram ou atingem ainda os países que não formam este grupo? Muito obrigado. Bon, à la première question, je répondrai, elle est très vaste, que l'Union européenne, qui aujourd'hui comprend 27 pays et qui s'apprête à accueillir la Croatie, la Serbie, l'Union européenne se préoccupe
d'un phénomène de vieillissement de la population et elle est menacée et de récession. Par récession, on entend techniquement une période de 6 mois consécutifs de diminution du produit intérieur brut. Je ne dis pas par tête du produit intérieur brut, comme cela. C'est le cas de la France, c'est le cas bien entendu de l'Italie, de la Grèce, c'est le cas de la Grèce depuis 4 ans, de l'Espagne, du Portugal, et pour l'instant résiste l'Allemagne. Mais même les Pays-Bas sont en difficulté. Tout ceci résulte d'un ensemble de causes, dont l'une, à mon avis, très grave, c'est le défaut de vigilance et de courage des autorités européennes lorsque, pendant les périodes, les années de prospérité, on n'a pas surveillé d'assez près la communication des informations sur l'état des budgets et des économies des pays membres, et de sorte qu'on s'est trouvé devant une situation de déséquilibre qui ne sera très dur à renverser, entre les pays excédentaires du Nord, qui ont une balance commerciale et courante, des opérations commerciales et courantes excédentaires, et les pays du Sud, dont la France n'est pas loin, si je puis dire, nous sommes un peu les hybrides, qui sont déficitaires. Et donc, une relation, un rapport de force malsain est en train de s'instituer entre le Nord et le Sud, et ce qui est grave, dans le couple franco-allemand, qui est le couple moteur, qui a été le couple moteur de l'intégration européenne. Pour tenter d'y remédier, ce qui se passe aussi, c'est que un sous-ensemble, une partie, l'Europe est un ensemble baroque. C'est un OVNI. En France, on dit un OVNI, objet volant non identifiable. Eh bien, l'Europe, c'est un objet politique non identifiable. Pourquoi ? Parce que, à l'intérieur de l'Europe, vous avez 17 membres qui ont choisi d'intégrer leur monnaie en une seule monnaie et d'avoir une seule politique monétaire, mais en laissant aux États l'autonomie budgétaire. Et le changement qui est en train de se préparer aujourd'hui, c'est que la Commission européenne va instaurer un mécanisme de surveillance, instaure déjà un mécanisme de surveillance des données économiques et financières de chacun des États membres et est en mesure de lancer des avertissements au mois d'avril, mai, au moment où on commence à préparer le budget des États, de l'État pour l'année suivante. Et si les avertissements de la Commission européenne, qui résultent de diagnostics pays par pays, si ces avertissements ne sont pas pris en compte par l'État concerné, il sera susceptible d'être sanctionné financièrement, et peut-être sur le plan des droits de vote. Dans cette affaire, on s'aperçoit aussi que le Royaume-Uni fait bande à part, se comporte un peu comme un pays qui souhaiterait peut-être sortir de l'Union européenne, mais il cherche à négocier des accords de libre-échange, bien entendu, donc il cherche le beurre et l'argent du beurre, comme on dit, et le sourire de la boulangère. Alors voilà pour la première question. La deuxième question, en dire un peu plus. D'abord, dans l'histoire de la pensée économique et de la philosophie sociale, il y a toujours eu à certains moments des auteurs, des penseurs qui exprimaient une certaine scepticisme vis-à-vis de la croissance. C'est le cas de Ricardo avec la loi des rendements décroissants, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'augmenter le nombre des travailleurs sur une terre pour que la production augmente dans la même proportion. C'est le cas, alors là, très optimiste de John Stuart Mill, qui disait, c'est formidable, 1860, c'est formidable, les gens s'enrichissent, les conditions de vie s'améliorent, en tout cas en Angleterre. Je vois arriver le moment
un état stationnaire, le moment où les gens profiteront de ce que leurs besoins sont satisfaits pour pouvoir se cultiver, faire du sport, s'abandonner au loisir, un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, en tout cas dans les pays riches. Et puis, vous avez eu l'école stagnationniste, celle des années 30, où les auteurs de l'époque ont dit bah, c'est normal qu'il y ait une stagnation parce que le capitalisme a le défaut de sous-payer les plus pauvres et par conséquent, la consommation ne se développe pas suffisamment pour soutenir la production et la croissance. Les objecteurs de croissance aujourd'hui, ceux qui contestent la croissance, le font avec des nuances diverses. Mais disons que les plus cohérents dans leur pensée, les plus systématiques dans leur pensée, préconisent un retour à la sobriété dans les comportements de consommation, c'est-à-dire qu'ils disent franchement on consomme trop. Il faut, par exemple, limiter la consommation automobile, les transports automobiles, et ceci par les taxations. Et là où les choses peuvent aller très loin, c'est que ça peut menacer des emplois considérables parce qu'ils concernent la stratégie as usual, c'est-à-dire ce sont les emplois dans les industries traditionnelles qui consomment beaucoup d'énergie, etc. Et puis, il y a même parmi eux, il y a des gens qui, en fait, s'en prennent au capitalisme. Ils disent, on n'en sortira pas de cette menace, on ne sortira pas de ces menaces sur la croissance, sans prendre dans la poche des riches pour financer les pauvres, et il faut détruire le capitalisme. Et moi, ma réponse à cela, c'est qu'on ne peut pas rêver d'avoir des progrès techniques et scientifiques importants, en matière de transition énergétique en particulier, mais aussi de reconception des villes, de reconception du travail dans les entreprises. On ne peut pas le faire sans qu'il y ait des initiatives qui débouchent sur de la croissance. C'est un avis personnel, mais enfin qui est largement partagé. Alors, la dernière question m'amène à répondre ceci, c'est que pendant très longtemps, l'analyse économique n'a pas compris que l'essentiel de la croissance provenait du progrès scientifique et technique, et non pas de l'augmentation du nombre de travailleurs et de l'accumulation du capital matériel. Un premier progrès a été accompli dans les années 1960, lorsque l'on a démontré qu'il fallait tenir compte dans l'explication de la croissance, il fallait tenir compte de l'effort que la nation consent en matière d'éducation, éducation initiale, formation permanente et professionnelle, et en matière de recherche et développement. Et ça, des pays comme le Brésil, je pense, mais en tout cas la Chine et l'Inde, ont compris que pour participer à la mondialisation et, disons, rééquilibrer le monde, il faut qu'ils participent à ces efforts en matière de progrès scientifique et technique. Et la dernière nouveauté importante en ces domaines, c'est que l'objection qui était « oui, mais le progrès technique, ça ne vient pas comme ça, ce n'est pas gratuit, hein, ça ne vient pas du ciel, ce n'est pas une manne ». La grande nouveauté, ça a été les théories de la croissance dite endogène, de l'auto-entretien de la croissance. La croissance entretient la croissance, c'est-à-dire qu'elle dégage. Elle est à la fois le progrès technique est à la fois cause et conséquence de la croissance. Et la croissance permet de dégager des ressources, par exemple pour le retraitement des déchets nucléaires, c'est important, pour les organismes génétiquement modifiés, pour la biogénétique. La croissance permet de dégager des ressources qui vont conditionner l'orientation de la croissance future. Et actuellement aussi, on voit apparaître dans la robotique des tas d'objets nouveaux
par exemple, ceux qui vont permettre de faciliter la vie quotidienne des personnes âgées. Le Japon est en avance dans ce domaine, puisque c'est un pays qui vieillit extraordinairement vite. Donc, il y a ce qu'on appelle la croissance endogène, parle de cet auto-entretien de la croissance. Voilà. Diga o seu nome e o que o senhor está estudando, que é interessante também. Boa noite, meu nome é Lourinaldo, quinto semestre de Direito do IESB Oeste. Boa noite, professor. Em nome dos alunos do IESB Oeste, agradecemos a sua presença aqui. E a minha pergunta vai no que diz respeito ao que a União Europeia, com toda a dificuldade que vem passando no campo econômico-financeiro, o que ela pensa no que diz respeito ao BRICS, e o Brasil, que espera e batalha muito por uma cadeira na ONU. Muito obrigado. C'est une question politique et j'interviens ici comme économiste. Bon, le Conseil de sécurité est une institution qui est évidemment a été dessiné, conçu à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, à une époque où effectivement il n'était pas encore question d'Union européenne. Je dirais que aujourd'hui, ce qui peut justifier le maintien de la France et de l'Angleterre dans ce Conseil, où je le rappelle, vous avez, je ne me rappelle plus les proportions exactes, une certaine proportion de membres permanents et puis une autre proportion de membres qui sont renouvelés. Il y a des États qui, pendant un certain temps, un certain nombre d'années, font partie du Conseil de sécurité aussi. Bon, la France et l'Angleterre font partie du club, il faut l'espérer, restreint et qui restera restreint des puissances nucléaires. Pas l'oublier. Et même si nous sommes amis avec les Anglais, nous avons conservé l'autonomie de l'usage de la force nucléaire. Même si nous coopérons avec eux sur un certain nombre d'armements, bon, ça c'est important. Ceci dit, un progrès a été accompli, me semble-t-il, sous l'impulsion de président Sarkozy. C'est indépendamment du Conseil de sécurité où manifestement, les questions économiques ne sont pas les plus importantes. On a entrepris de passer du G7 au G20 et donc d'améliorer très sensiblement la représentativité des pays, donc du G20 par rapport au reste du monde. J'en profite tout de même pour dire qu'il ne faut pas que les BRICS se désintéressent de la Turquie ou du Mexique, ou de petits pays, notamment du continent africain, avec qui ont des États faibles. Bon, et aussi, dans ces matières, pour répondre plus complètement à votre question, en 1945, on comptait 60 nations. Aujourd'hui, on en compte 193, reconnues par l'ONU. Évidemment, l'hétérogénéité des États s'est affirmé à cette occasion, et un État comme le Vanuatu ou comme le Mali, c'est tragique, montre à quel point certains États sont faibles et ne disposent pas de l'appareil administratif et diplomatique qui leur permet de défendre leurs intérêts à l'ONU. C'est très important ça aussi. Si la France et l'Angleterre restent à côté des États-Unis, mais il n'y a pas l'Allemagne, à côté des États-Unis et de la Chine, au Conseil de sécurité, dans les membres permanents, c'est parce que l'histoire et la tradition nous ont dotés encore d'une puissance diplomatique, d'un rayonnement diplomatique, je dirais, soft power, d'un rayonnement diplomatique et la puissance militaire, je le disais, bien sûr, qui ne sont pas, évidemment, que l'on ne retrouve pas dans la plupart des États. C'est ce qui fait d'ailleurs que beaucoup d'États africains ou autres
s'efforcent de mettre en commun leurs ressources. Ils le font trop lentement, à mon sens, mais s'efforcent en commun de mettre en commun, de mutualiser leurs ressources pour défendre plus efficacement leurs intérêts. Je pense par exemple aux 7 ou 8 États que le fleuve Niger traverse. Ils ont réussi à se mettre d'accord, je crois, pour gérer la ressource en eau, qui est importante, ce que ni l'Israël ni la Palestine n'ont réussi à faire. Outra pergunta que tinha levantado. Nome e curso. Boa noite, professor. Meu nome é Romulo aqui. Boa noite, novamente. Meu nome é Romulo, eu sou aluno do curso de administração, segundo semestre. Eu percebi isso, sua palestra foi muito agregadora de valores para mim. E eu percebi uma coisa muito importante que foi ressaltada pelo senhor, que seria na questão do crescimento para a evolução eficaz, seria um investimento na educação. E você falou muito da desigualdade social. Eu tenho uma filosofia de vida que eu acredito que o mundo, a sociedade só melhora quando você melhora a educação. E o senhor falou muito disso, de melhoramento na qualidade da mão de obra e tudo mais. Porque quando a sociedade investe em educação, quando os países do mundo investem em educação, evitam crises econômicas, evitam guerras, evitam corrupções em seus governos. E, consequentemente, evita também a questão da desigualdade social. Eu li um livro de filosofia uma vez, uma frase muito interessante que fala sobre o capitalismo, que ele é um ótimo produtor de bens, mas ele não distribui muito bem os bens que ele produz. Eu acredito que isso seria uma pergunta para o senhor para complementar a minha ideologia. Se a educação, juntamente com a diminuição da desigualdade social, seria os únicos ideias responsáveis para mudar o mundo, ou teria alguma coisa a mais para melhorar a questão do crescimento? Boa noite, meu nome é Tatiana Reis, sou professora do curso de administração, fui aluna do IESM, Relações Internacionais. É uma grande satisfação estar aqui hoje. E a minha pergunta envolve o âmbito ambiental. Como que o senhor vê essa importância da agenda internacional que diz respeito à política ambiental pode impactar nesse crescimento, no desenvolvimento nos próximos anos? Essa preocupação de preservar tantos recursos... Como que essa preocupação da agenda internacional atual em preservar os recursos ambientais... Como que isso pode impactar no nosso crescimento futuro das novas gerações? A gente tem aí as rodadas de negociações internacionais, no âmbito internacional, cada vez mais os países preocupados em preservar a sua natureza, e como que isso pode prejudicar ou pode influenciar positivamente o crescimento e o desenvolvimento no futuro? Como que o senhor vê isso? Obrigada. Pendant très longtemps, les économistes, je réponds à la première question à ma façon, ont considéré que le bien-être d'un individu, les satisfactions qu'il ressent, pouvaient être considérées comme absolument indépendant du bien-être des personnes avec lesquelles il est en contact, de sa famille, de ses collaborateurs ou autres. C'est une science qui, pendant longtemps, s'est appuyée sur une conception rationaliste étroite du comportement humain et égoïste, en quelque sorte. Et puis, avec l'apport des psychologues, on s'est aperçu quand même que le bien-être d'autrui retentit sur le nôtre. Alors, ça dépend des cas. Il y a des cas où... il retentit négativement, ou d'autres cas ou positivement, mais disons d'une manière générale que nous souhaitons avoir des voisins heureux, des gens de la famille heureux, les concitoyens heureux. En France, on n'est pas très heureux les uns vis-à-vis des autres, mais donc on le ressent. Pour la même quantité de produits disponibles, tout dépend de la façon dont on se compare par rapport aux autres. Et l'envie, est un sentiment humain très, très répandu et qui a des conséquences en matière de revendication de salaire, etc.
Et alors, ce que je voudrais compléter, c'est que des enquêtes récentes ont contesté ce qu'on appelle le paradoxe d'Easterlin. Bon, Easterlin était un auteur des années 70. Les enquêtes récentes, Easterlin disait ceci, que le bien-être n'augmentait pas, la population n'augmentait pas en fonction de la production, et n'augmentait pas en fonction de la croissance. Or, des enquêtes récentes montrent que si, dans un pays, quand le produit intérieur brut augmente, le niveau des satisfactions tend à augmenter, sauf dans un cas, lorsque les inégalités se creusent très profondément. Et c'est le cas des États-Unis. Au cours des 30 dernières années, les inégalités se sont beaucoup creusées entre les 1%, 1 pour 1000 les plus riches et les 20% les plus pauvres. Et ceci a atténué complètement le sentiment d'amélioration du bien-être. Donc, ceci doit être pris en compte. La cohésion de la société, c'est un phénomène important parce que la paix sociale, la conflictualité sociale, ce sont des phénomènes qui résultent en grande partie de la manière dont les gens se conçoivent par rapport à des groupes de référence. Et je pense qu'à l'école, tout ce qui permet de faire naître le sentiment de solidarité à côté du sentiment de propriété. Les enfants ont un sentiment de la propriété, je crois, assez aiguisé, les petits, hein, je parle des petits. Bon, il faut développer le sens de la solidarité et qui passe nécessairement, je ne dis pas par un égalitarisme excessif, il faut que les mérites soient récompensés, l'effort soit récompensé, mais dans des proportions acceptable. La deuxième question, comment je vois l'avenir? C'est trop. C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse simple. Ce que je voudrais dire, c'est que la protection de la nature, c'est un problème planétaire, mais qui a des manifestations locales extrêmement diverses. Et que tel pays sera vulnérable, par exemple à l'augmentation du niveau des mers, ou au cyclone, je pense à la Louisiane, par exemple. D'autres pays seront plus vulnérables si se multiplient les épisodes de sécheresse. Et d'après ce que je crois savoir, les pays du Sud sont globalement plus menacés par le réchauffement climatique que les pays du Nord. Chez nous, on va faire pousser du vin au Groenland, peut-être, mais enfin, c'est pas grave. Mais dans des pays du Sahel, par exemple, où la sécheresse risque de se développer, c'est beaucoup plus grave. Une des propositions que, je ne sais pas si on la discute, mais enfin, que j'ai vu dans un document récent, c'est qu'il faut que les pays du Sud prennent leurs responsabilités. Le niveau actuel d'accumulation de CO2, de gaz à effet de serre, il est le résultat d'une accumulation depuis 1860, dont les principaux responsables sont les nations du Nord. Mais, depuis quelque temps, les pays du Nord modèrent, en tout cas l'Europe, et la croissance de la pollution est cette fois-ci entraîné par l'émergence de pays fortement peuplés et qui se trouvent principalement en Asie, mais pas seulement. Donc, c'est un argument pour dire, notamment l'émergence procurant des ressources aux pays concernés, pour dire qu'il faudrait qu'ils participent avec le Nord, dans des proportions acceptables, négociées, au financement d'un fonds mondial pour la protection de tel ou tel type de ressources, par exemple l'amélioration de l'accès à l'eau salubre ou la protection de certains types d'espèces, enfin, ou l'aménagement des forêts en particulier. Mais je ne pense pas que les pays du Sud puissent s'exonérer de cette responsabilité nouvelle. Et puis, en plus de ça, je terminerai là-dessus,
étant potentiellement victime de dommages, de préjudices concrets, l'imagination et la recherche scientifique peuvent très bien suggérer des solutions concrètes, techniques, que au Nord, on n'est pas en, on n'imaginerait pas facilement. Bom, com essa pergunta nós vamos encerrar as perguntas do dia de hoje. Eu gostei que ele mencionou o aspecto importante da educação, da qualidade da educação. Ele também falou numa uma resposta anterior, para ter progresso desse nosso país, nós temos que ter muito boa educação, eliminar o analfabetismo, fazer melhor distribuição de renda, investir em ciência e tecnologia. Nós estamos investindo muito pouco no Brasil em ciência e tecnologia. Portanto, aqui, vocês que estão na área de interesse em tecnologia, têm que pensar nisso. Bom, queremos agradecer ao professor Alain Bien-Aimé por essa sua exposição e à professora Eda pela iniciativa de trazê-lo aqui à Brasília. E eu queria que vocês todos... Nós dois trouxemos, realmente. Foi junto com o capítulo brasileiro do Clube de Roma e, em verdade, a Associação Internacional de Reitores de Universidades, da qual a professora Eda é membro do Comitê Executivo. Eu quero pedir uma salva de palmas de vocês todos para o professor Bien-Aimé.